Je suis ravi de vous retrouver dans votre podcast quotidien Kylian et le Faux Quintet avec au programme trois rubriques, feu rouge pour mon impasse, feu orange pour mon coup de folie et enfin feu vert, mon coup de foudre en fin d'émission. Je vous révélerai mon ticket pour toucher le pactole. Sur la grille de départ du Prix de la Manche à Enghien, 13 compétiteurs de 6 à 9 ans répartis sur deux échelons de départ vont s'affronter sur la distance de 2875 mètres. Feu rouge, je freine avec le 6, Eureka Avry. Il a bien tenu sa partie le 16 juin à Paris-Vincennes, mais il monte de catégorie et son entraîneur et pilote, Thomas Chalon, n'affiche pas une grande confiance. Je vais attendre qu'il se produise de nouveau dans le temple du trot pour lui renouveler ma confiance. Florent, je ralentis avec le 10, Gigolo Lover. Monsieur prend la fâcheuse habitude de se montrer fautif en partant. En valeur pure, il a tout à fait les moyens de mettre KO ses adversaires. Rappelez-vous quand même, au mois de mars, il avait battu un certain Rick Zeuil qui depuis ne cesse de se mettre en évidence. Gigolo Lover, c'est un peu je t'aime, moi non plus. Feu vert, je fonce avec le 2 Enemy. Il a été très bon le 25 juin derrière l'intouchable Hits de l'Armaker, effectuant le dernier kilomètre le plus rapide. Doté d'un drôle de moteur et déjà vu à son avantage avec ses fers, il est capable d'enrouler de loin, il n'a besoin de personne et ne relâche jamais son effort dans la ligne droite. S'il ne perd pas trop de terrain en partant, il va mener la vie dure à ses petits camarades. Pour mettre le feu aux poudres, je vous propose un quintet plus, champ réduit, flexi 25% avec un X, le 9, le 7, un X et le 13, associé au 2, au 4, au 8, au 10 et au 11 pour la somme de 10 euros. N'oubliez pas, si vous voulez aussi mettre le feu au quintet, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à vous abonner à notre émission quotidienne pour avoir accès à tous les épisodes à venir. Sans oublier de laisser un commentaire et une note.